La fonction publique hospitalière est en grande difficulté depuis des années, principalement les urgences, qu'elles soient pédiatriques et surtout les adultes. On n'arrête pas de tirer la sonnette d'alarme en se disant que les conditions de travail aujourd'hui dans tous les hôpitaux de France et de Navarre deviennent inacceptables, dangereuses et pour les patients et pour les soignants. Donc il est plus que temps qu'un état des lieux, que quelque chose soit fait à très haut niveau pour qu'on puisse avoir des urgences de qualité en France, parce qu'on met en danger et le personnel et les patients. Est-ce qu'on a envie de donner une qualité de soins à tout un chacun dans ce pays ou pas? Donc après ça, c'est des éléments de politique. Où mettons nos priorités? Demain, ça peut être mon enfant, ça peut être votre enfant, ça peut être l'enfant d'à côté. Toutes les personnes doivent pouvoir, en vivant en France, avoir des soins de qualité, ce qui n'est pas le cas, ce qui n'est plus le cas.